Bonjour monsieur, nous sommes aujourd'hui donc au plein cœur du marché de Castelnaudary. Vous êtes boucher charcutier? C'est nous qu'on fabrique toute la charcuterie avec les pourfermiers du coin. Mais par contre, où c'est que je suis pas d'accord, c'est quand je vois le cassoulet qui est de Castelnaudary et qui a été toujours dit de Castelnaudary, quand on voit qu'on veut dire qu'il sort d'Angleterre, là je suis pas du tout d'accord quoi. Hein. Là-bas, ils font pas du tout du cassoulet. Hein. Là c'est vraiment une honte de voir ça. Je suis vraiment énervé de voir ça parce que ça non, je suis pas du tout d'accord. Vous savez que nous on l'a goûté, donc il y a le cassoulet normal, il y a des éléments complémentaires comme de la menthe, de la marmelade d'orange. Et est-ce que vous pensez pas que c'est quelque chose qui peut être apporté Dans le vrai cassoulet, on y met de la saucisse avec des porcs-fermiers, on y met des andouillettes, on y met des coignes, on y met du confit, mais on ne met pas du thym, du laurier ou de la semoule, tout ce que vous voulez nous dire. Là, c'est une honte, ça. Et surtout pas là-bas en Angleterre. D'accord, parce que ils vont un tout petit peu plus loin parce qu'ils disent juste que Londres serait la capitale du cassoulet. Non, ne me dites pas ça, monsieur. Là je crois que là, non. Là, il vaut mieux qu'on arrête parce que là, je vais me fâcher. Le cassoulet, c'est vraiment le laurier. Les cassoulets avec des bonnes saucisses, des haricots et des coignes, du bon confit de canard, mais ça, non. Là, je l'admets pas, monsieur. Non. Donc, selon vous, l'origine du cassoulet, c'est chorien ou c'est anglais? C'est ça que nous, quand on est arrivé, on a vu le cassoulet anglais, j'ai dit, mais. C'est pas normal, c'est pas du cassoulet anglais. Ta origine, il est pas anglais, le cassoulet. Oui, je pense. Ça risque d'être chaud d'ici la fin du marché, quoi. S'ils revenaient régulièrement sur le marché pour présenter leurs produits, vous pensez que ça finirait mal? C'est pas dit que ça marche. Mais...